Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour la suite de Red Dead Redemption 2. Du coup, on va rentrer au camp. J'ai commencé la vidéo maintenant parce que je me dis qu'il va peut-être se passer quelque chose sur la route. Il faut que je chasse. Je vais essayer de récupérer. Merde. Je vais essayer de récupérer de la viande sur la route. Et un petit peu de peau peut-être si je peux. Et voilà, écoute. Cheval de trait. Trait de cheval, ok. C'est pour suivre les chevaux. On va peut-être chasser. On n'est pas très loin encore de l'endroit où on vit, donc on va prendre le temps de chasser. Voir s'il y a des traces d'animaux pas loin. Et on verra bien où ça nous mène. Il y a des loups pas loin, non? Des coyotes, des chiens, je sais pas. On a entendu là. Là. Transporter qu'une carcasse, donc ok, on va dépecer la peau et on va prendre la carcasse. Ah, c'est violent quand même. Enfin, à chaque fois ça me surprend, c'est la peau. Du coup, est-ce que je peux mauvais état? Ah merde. Lorsque vous dépecez ou plumez un animal, vous séparez la chair. Ok, et du coup, est-ce que je peux charger ça? Peut-être. Ah oui, je pense que oui. S'il met la peau comme ça, ça peut être bon. Et je peux prendre ça. Peut-être j'aurais... Ah, j'aurais peut-être dû le dépecer à la maison. C'est pas grave. Charger. Not bad, boy. Ah, c'est bon, il y a les deux. Oh, c'est okay, parfait. Boy. C'est parfait. Juste, vous ne pouvez pas récupérer tous les morceaux de cet animal car vous avez plus de place. Ouvrez votre sacoche et faites de la place en appuyant sur carré. Pour vous débarrasser des objets dont vous n'avez pas besoin. Okay. Il y a de l'herbe. 1000 feuilles ramassées, ok. Je récupère un petit peu des plantes aussi. Allez, cette fois on rentre au camp et destiné à restaurer la santé. Pour ce faire, utiliser un feu de camp. Ouais, bon, ça, on fera ça plus tard. Hein. C'est pas le moment. Ok. Ouais, désolé, j'ai tué ta maman, mais voilà. Plante de santé maison. Mangez l'un pour restaurer votre noyau de santé. Utilisez pour. Ok. Alors on va ramener ça à Pearson, je crois, qui s'appelle le cuisinier. Bonjour. Arthur, dumbass. The hero return. Ah, mais c'est Bill Williamson, merde. Putain, tu m'as fait peur. Sure. Putain, il monte la garde et il m'a fait peur. Je me suis dit, putain, c'est qui ça encore? J'ai failli sortir mon arme et tout. C'est bon? Pourquoi je peux pas aller vite? Smile, Arthur. It's a beautiful day. Why don't you go make yourself useful? All in good time. Good. Let's keep it that way. Okay then. Bon, par contre, j'ai de la viande qui est en train de pourrir là, donc si je pouvais accélérer, ça serait sympa. Bon, allez, salut.
Ah, réserve. Oh, putain, tout est en rouge. Ah oui, merde, on peut pas prendre le cheval. D'accord. Bon, Pearson, je crois qu'il est là, si je dis pas de conneries. Ou là. Ouais, là-bas. Apporter des animaux à Pearson pour nourrir le camp. Il utilisera leur viande pour cuisiner, leur peau, pour fabriquer des sacoches avec une plus grande capacité. C'est ce qui m'intéresse totalement. Salut. You know, these hides and furs can also be done up into coats and boots and such. Beyond my skills, but there's a trapper that travels around these parts, Canadian feller, Skill Tanner. He can make just about anything. You should drop in on him sometime. Yeah, yeah, actually, I know. I'll thanks, come back to you later, okay? Et comment je fais? Ah, je peux pas lui donner, genre, comment je lui donne? Je comprends pas. Come on now, Pearson. Mais non, mais là, j'ai pas donné en fait. Je ne comprends pas. J'ai apparemment mon cheval à fin, je crois. Attends, c'est pas le moment. Tu vois bien que je suis occupé. Déjà que c'est dérangeant d'avoir un. Bref. Comment je lui donne? Tiens, tu. You been on the run again? Glad to be off that mountain, Mr. Pearson? Yes, indeed. Lots to do now. Yeah, for all of us. Amélioration d'état de truc. I'm very into my crafting at the moment, Mr. Morgan. Sacoche. I'm very happy to make you something if you bring me the right materials. Peau de biche, cerf, wapiti. Biche, blaireau, écureuil. Objet de valeur surtout. Biche, castor, lapin. Ok, ça peut pas être très difficile. Matériaux. Biche, sanglier, igual. Il faut que je sache tout. En fait. Et comment je donne ça? Attends, je vais donner ça. Graisse animale, graisse tissu d'ours, sanglier, castor, canard. Je vais lui donner ça. Ah, putain, cadavre de biche. Putain, j'avais même pas vu. Donner pour les provisions. Et donner pour la cagnotte. Récupérer 3 peaux de lapin en parfait état. Ok. Peut être vendu. Ben on va donner ça pour la cagnotte. Et le reste, on va garder. Ah, merci, merci. Du coup, vous pouvez suivre votre progression des défis grâce au journal. Afficher les économies de la bande. C'est ça les économies? Grosse économie en tout cas. J'ai vu un truc par contre, il y a des tanneurs apparemment. Je ne sais pas où. Là. C'est ça, c'est ça? Trappeur. Et c'est quoi un trappeur en fait? C'est pour. Ouais. Ok. J'ai toujours ma peau de bœuf là-bas qui est là-haut. Pourquoi pas. Do you realize you look like a backstreet butcher, Mr. Morgan? Je sais, je sais. Mon cheval, où est mon cheval? Je vais faire un truc. Parce que l'icône du radar fait que me dire ouais, ton cheval il pue. Donc on va faire un truc. Apparemment, j'ai lu l'onglet aide. Attends, c'est lui mon cheval? Non, c'est pas lui. Voilà, putain, j'ai pas reconnu. Je peux faire ça, objet cheval. Ok, chapeau, tenue, grand masque, provision. Je peux lui donner à manger, ok. Grand masque. Chapeau. Mais j'ai pas de... Putain, j'ai pas de...
Tant pis. J'ai pas de. Normalement, j'ai une brosse. Apparemment, je peux avoir une brosse. Donc, je vais lui donner à manger parce que je lui ai jamais donné à manger. Et il peut aussi mourir. Enfin, pas mourir, mais genre. Tiens, mange une carotte. C'est bien. Et du coup, je peux guider, nourrir. Ok. Ordonner de fuir, ok, d'accord. Mais j'ai pas de brosse pour le brosser, donc il va rester sale, tant pis. Bon, du coup, voilà, on est arrivé. Qu'est-ce qui se passe ici? S'asseoir, jouer au domino. Ah! Non, pas maintenant. Du coup, toi, qu'est-ce que tu veux? Toi aussi. Aller chasser. José, Parfait. you want to go hunting? What are you hunting? An elephant? I wish. No, I saw a huge bear. One of the Oula. biggest I ever saw. I reckon nearly 1,000 pounds. My God, but you need me to come with you. Of course. Let's go. Where are we heading exactly? Up near the Dakota River. Might take a day or two. I could do with a break from this place. Oh, me too. It's been a rough couple of weeks. You need anything? I don't think so. I got all I need. Let's go then. So you still ain't replaced Boadicea? Nah, I miss her. She was quite a horse. This one's okay, but ain't no Boadicea. I've been meaning to offload this big Shire horse for a while now. Unruly bastard. Where'd you get him? Some big loudmouth bastard tried to rob me, was out riding, so I well, you know how it is. I see. Let's take him to Valentine. It's on the way, sorta. There's a decent dealer there. We'll unload him, you could buy yourself a new horse. Put your saddle on them. Let's get going. Okay. But I do kinda like this horse. There's nothing wrong with two horses. And the stables always have the best ones. Désolé mon petit cheval, c'est temporaire. Quoique t'es pas très beau. Oh putain, t'es blessé. This is gonna be fun, Arthur. You won't throw me? No, he's an angel. If I'm near him. Nasty little look in his eyes. Oh, don't be rude about this magnificent creature. Okay, see if you can get your leg over that brute. Easy, big feller. All right, let's head into town. No bar fights, please. I heard about that. I'll do my best. Je vais enlever le repère par contre parce que ça va me gêner. Voilà. We're heading out. Might be gone a couple of days. They got a good range of horse tack at the Valentine stables. Ah, mais c'est ce que je cherchais hors caméra en fait. I used to have a real nice one. Dans les aides, ils ont dit qu'on avait des écuries. Got stolen outside that saloon in Deer Creek. Ah, I remember now, just about. That turned into a long day. Yes. Remember? Mac went crazy, threatened to kill the whole town. And Davy was passed out so cold we left him there, came back in the next day, and he woke up, started right back drinking again. I miss those boys. Jenny, too. She had some spot, that girl. It must be pretty hard on Lenny. You could tell he was sweet on her. Well, Lenny and Jenny could never have worked. That's like Arthur and Martha, or Bill and Phil. Yeah, maybe you're right. Does feel a bit like our luck died with them, too. Nonsense. We'll be all right. Just need some money to get back on our feet. I hope so. You find a way to offload those Cornwall bonds yet? Not yet. They're still very hot. Need to be done right. I have a couple of leads I'm looking into. Don't let that big bastard get the better of you there, Arthur. Hey, he's all right. Yeah, okay, boy. There, boy. You're all right, boy. Yeah, that's it, boy. Stables are just up ahead. All right. Go
sell that big brute. Buy yourself a horse. Okay. Ah bon, je vais m'acheter un cheval comme ça. Get a few things to lure that bear out with. Meet you back here in a bit. Il fait caca? Il fait caca parce qu'il sait que je vais le vendre. Il se chie dessus. I'm in the market for a new horse. Something strong and fast. Yeah, well, you're in the right place. I got some beauties in at the moment. Bon, ben, ça va être le choix, là. What about this one here? You looking to sell? I sure you. You got papers? No. No papers. Well, of course, that's gonna affect what I can pay. But your luck's in. I got a fella who's been looking for a decent workhorse like this for a while. He'll pay a good price. Otherwise, I can always stable him here for you. Here, take a look. Lorsque vous mettez votre cheval en pension, celui-ci est placé dans une box afin que vous puissiez y accéder plus tard. Si vous vendez, vous empocherez une prix de vente. Vendre pour 5 dollars ? Le pauvre. Je vais pas le vendre pour 5 dollars, le pauvre, quand même. Type cheval de trait, chair, noir corbeau, mâle. Vitesse 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Il est lourd à manier. J'aime pas les. Ouais. Je vais le vendre. Enfin, ouais, je vais le vendre. Ah non, c'était pas 5 dollars, c'était plus. Du coup, 105 ans. Putain. Oh. Oh putain, toi t'es bizarre. T'as une couleur bizarre, mais. Putain. Pur sang. C'est celui que je viens de vendre, non? C'est pas celui que je viens de vendre. Pas du tout. Il est beaucoup plus... Ok. Morgan. Trotteur américain, 150 dollars. Je crois que je vais prendre celui-là. Il a l'air... Ah, mais c'est celui que j'ai grâce au... Grâce à l'édition spéciale. Bah écoutez, on va l'acheter, on va dire qu'il a coûté... on va dire que j'avais 300 dollars et qu'il a coûté 150. Voilà. Entrez le nom. Alors comment on va l'appeler? Oh, putain, Terreur des plaines. Mais non, mais je veux faire des grands noms, moi. Terreur des... Ouais, bon, on va le laisser. On marquera pas les noms comme ça. Hein, genre, on va laisser comme ça. Terreur. Pur sang noir. Acheter un cheval. Céleri et service. Céleri. Il est moche, en plus. Céleri. Les sels de qualité supérieure réduisent la vitesse d'épuisement des noyaux, d'énergie et de santé de votre cheval. Tout en augmentant la vitesse de régénération de son énergie. Ok. C'est là les classes. 85. Allez, soyons fous. C'est pour mon cheval, on va acheter de gros trucs. Voilà, sacoche de sel. Améliorée. 40 dollars. Elle est plus grande, c'est ça? C'est... Voilà, étrier. Bon, je pense que là pour l'instant c'est bon. Pomo. Oh, classe. Par contre, j'ai plus que 40 dollars. Hein. Je comptais donner 50 dollars au camp, mais ça va être compliqué. Couverture de Cotola. C'est quoi la couverture? Je comprends pas. C'est ce qu'il y a derrière là, non?
Ok, sac de couchage. Je pense pas que ça change quelque chose. Je pense que c'est juste pour voilà. Crinière. Naturel, normal. On peut le faire passer au coiffeur. Mohawk. On va le laisser naturel. Et la queue. Normal. On peut lui couper la queue. Oh putain. Oh putain, il y a une... What the fuck? Ça existe ça? Des queues nattées pour les chevaux là? Il y a des gens, je suis sûr, ils utilisent des trucs comme ça. En vrai, le rouge sang, c'est comme ça en mode... Ouais, non, même pas. On va rien faire. On va pas faire le fou. Service, ensemble de soins pour cheval, renommer le cheval. Et je peux pas acheter une brosse, provision pour cheval. Pommes, betteraves, carottes, céleri, points, bonbons. On va acheter une pomme, une betterave et une carotte. Et du foin et hop. Et tout ce qui a moins de... Merde. Voilà. J'ai acheté plein de trucs pour mon cheval. Là, je pense qu'il sera content. Terreur des plaines. You have my word on that. Faut que je nettoie mon chapeau par contre. Here are your papers. Ah, j'ai les papiers en plus. A new... Ah, merci. Ah, et des bonbons, trop cool. Alright, you treat this fellow well. I know he's gonna look after you just fine. Parce que du coup, attendez. J'ai droit à une mission en plus, un cheval noir tacheté plus 100. Une tenue. Trois armes disponibles gratuitement chez les armuriers, des améliorations dans le jeu de l'argent bonus et des promotions, et un talisman et un médaillon. Ok. C'est bon? You won't know till you get in the saddle. All right, let's get going. We got quite a ride ahead of us. C'est bon. On va par contre on va s'attaquer à un ours donc up in the mountains east of Cumberland Falls. Alors que je viens de l'acheter. I just hope I can remember how to get there. Back into the mountains. I sure didn't figure on that. But this time we're doing the chasing. Par contre, je tiens à dire que fine. Je dirai après. Ain't it about time you let it go now? It was a year, Jose. He ditched us for a goddamn year. I've spoken to him many times. He knows he did wrong. He just wants to put it behind him. I'm sure he does. Running off on that kid is one thing, but there's code. And he knows that. He ain't Trelawney. Dutch and you pretty much raised him. I know. But it's done. Has been for a while now. Nobody else would have been welcomed back that easy after that long. And you know it. Maybe. But please don't you put that to the test. Okay. Du coup, je disais que j'ai pris un bain et je me suis retrouvé traîné dans la boue juste après. J'ai donné de la bouffe à mon cheval et je l'ai vendu juste après. Voilà, je pense que je ne vais plus rien faire avant la fin du tutoriel. Ok, I think we need to head right up here. Par contre, c'est la nuit. C'est pas rassurant. Chasser de nuit, je sais pas si c'est une bonne idée. Tu veux pas camper jusqu'au yes. jour? I remember this place. Moonstone Pond. We're going the right way. C'est pas une très bonne idée. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. That's the lake there. Good. We made it. Yeah. Let's loop around the other side. Vous devez le nourrir, appuyer sur R1 pour activer des objets à cheval. Je vais lui donner une carotte. Easy
girl, you're okay. Je sais pas si je lui ai donné, mais... Merde. Attends, suis-le, suis-le. Hey. Je sais pas si c'est une cinématique là ou si c'est moi qui joue. Je reste appuyé sur le bouton, on sait jamais. Je crois que c'est pas une cinématique. Ok, j'ai juste à faire ça pour savoir si c'est une cinématique. Pour changer la vue. Look there. Rabbits. Maybe we should catch one to cook. Sure. Try and shoot one. You don't want to use anything too powerful on a small animal like that. Just ruin the meat. Best thing's a bow or a 22 caliber varmint rifle. I have hunted rabbits before, you know. Yes. And obliterated them with a shotgun, if I remember right. Il y a plein de lapins. Tu croyais que j'allais pas te voir, enfoiré. J'arrive pas à prendre le lapin du coup. On va pas le dépecer de suite parce que... Oh, il porte le lapin comme ça et tout. Oh, c'est trop... Oh, pauvre petit lapin, je suis désolé. Good job. All right. It's getting late. Reckon we should camp here. Ah, merci. Tu m'as fait peur. Alan, you get a set up. Hein? Utilisez un pour sélectionner un camp. En vos outils, relâchez un pour utiliser... C'est ce que j'ai fait tout à l'heure en fait, ok. Ou dans la vidéo précédente, je sais plus. I'm famished. Cook that rabbit then. They're delicious on an open. C'est encore le tutoriel. Donc c'est cool. Fine by me. Ok. Gibier nature. Gibier à la menthe, mais j'ai pas de menthe. Gibier à l'origan ou thym. Putain, il y a plein de... You want some of this? No, I'm fine. I don't like eating this late. Okay. After all that. Ok. Et du coup? All right. Well, we better get some rest. I want to be up at first light to find this monster. Il va nous attaquer cette nuit là, tu vas voir. Choisissez l'heure de votre réveil, bah, 7h. He better be worth all this drama. Par contre, attaquer un ours qui a un crâne assez solide pour résister à une balle de carabine avec un arc, ça va être compliqué. Morning, Arthur. You ready? Oh, give me a minute. Coffee? Sure. There you go. Faudrait que je mange moi aussi d'ailleurs. J'ai pas mangé depuis que j'ai commencé. What's your plan? Well, we'll see if we can track him, but we might need to lay bait to draw him out. Bears like fish, obviously, but they also have a sweet tooth. A lot of fellas bait, then shoot from the trees, but I prefer to hunt on the ground. More dangerous. But we'll have a much better chance of getting a good shot in. And if he bolts, we can start right off after him. Can you mix up this bait for me while I finish packing this up? Fish, berries. I'll tie it up in that rag when you're done. I hope you know what you're talking about. I grew up in the mountains, Arthur.
Pas un prédateur puissant. Effet. Attire des prédateurs exceptionnels qui se trouvent à proximité. Putain. Exceptionnels, ils ont dit. Ok. I think I got this done. Good. Pack up and we'll get going. Come on, grab your stuff. Okay, let's go. Come on, girl. We'll try our luck down by the water. That's where I saw him last. Okay. How's that horse treating you? So far, so good. You know, I was in this area with Bessie years ago. Really? I didn't know that. I imagine you still miss her. Every day. Did you two ever think about getting out of the life? We did briefly. You don't remember? Guess you were still young. Didn't last long. I drifted back into it. She understood. She knew what I was. I remember you not being around for a while, but well, things were looser back then. Truth is, there's never really any getting out. And staying in, it's hard. You know that. But Bessie and I made it work. Why? You thinking about getting out? Me? No, of course not. Listen, if Dutch's grand plans work, and we can make enough money to go someplace new, really new, maybe we can all have a new start. Anyway, for now, let's try and chase ourselves a bear, shall we? Let's look by the water here, see if he's been fishing again recently. Look for tracks, dung, bones, any sign of him. Hallmarks here, Jose. They sure look big enough. Je vois pas l'empreinte. Ah si, ouais, Charles. Can you tell which way he went? Ours légendaire. Ah oui. Ah, à pied. Par contre, ouais, le c'est pas très haut comme. J'ai mes armes, j'ai pas attends frère. Je vais pas me faire avoir. Je vais pas me faire avoir. On va prendre un fusil à pompe, hein. Fusil à pompe et arc, hein. Ça me semble plus pertinent. Hop, le fusil à pompe, parfait. Encore un indice là-bas. Wait a minute. Something. My ground here. What is it? Half-eaten fish here. Must have been left by our friend, I reckon. Come on, see if there's anything else. Something else on the ground, just here. There she excrement is. Watch your step. Looks real fresh. Reckon he's got to be close. Let's keep going. La trace se perd ici. Damn it. Looks like the trail ends here. We lost him? For now. A little optimism, Arthur. Well, what do you think? I think we split up and each look. Either that or we could place bait here. That could work. Which do you think? Se séparer, c'est une très mauvaise idée.
Let's bait here. Fine by me. Let's leave the bag over there. By those boulders up ahead, looks like a good spot for it. Ouvrir la sacoche. Utiliser l'appât à ours. Appât prédateur puissant. On va monter là-haut, je pense, pour... Ah, on peut pas aller là où on veut pour attendre. More or less. Big scar down his face. Ah! Hey, did that bait look okay to you? I think so. You're the expert. Ready with your gun there? I'm good. You okay? You seem nervous. So do you. I'm fine. Je suis un petit peu nerveux, j'avoue. Sure. Mais attends! We only just said it, Jose. I know, but we need to do this right. T'es le pire chasseur du monde. Give me a hand here. J'ai entendu un bruit. Got your knife? Ah. Easy. No, it's too close. You're fine, old man. Of course I'm fine. Qu'est-ce qu'il a fait? Nothing. Nothing at all. Ah, il s'est fait mal, ok. Thank you. I think. That was fun. You know what, Arthur Morgan? I'm a little old and beaten up to be after the biggest game. You can have this. What is it? It's a map. A man in a bar gave it to me. Well, I stole it from him, but that's another story. He said it told him where to find some real big animals. Genre lui. Thank you. It's a pleasure. You saved my life, Arthur. Je peux le faire là du coup? I think I'm going back to camp to lick my wounds. You coming or you gonna track that monster? Well. Je vais rester. I'm gonna stick around here for a while. I'll see you back at camp. Yeah. Okay. J'aurais peut-être dû rentrer. De nouveaux chevaux sont disponibles à l'achat, mission terminée, blablabla. Cueillir. On peut... Oh putain, il y a plein de trucs à cueillir là. Ah non, d'accord, c'est juste ça. Du coup... Déjà, je vais récupérer... Je vais pas prendre l'arc parce que... Enfin, je sais pas si l'arc est utile en fait. Contre un ours, ça me semble pas très utile. Plusieurs chevaux en même temps, jusqu'à 3 en pension. Okay. Hop. Et du coup, là, il y a l'ours. On peut sur un cheval. Don't seem close. Not far now. Je sais pas, je le sens pas en fait. Genre, je sais pas, je sens que j'aurais dû rester. La piste s'arrête ici en plus. Putain.
Voilà, ça m'avait manqué ça. La chasse aux animaux légendaires dans Red Dead Redemption, ça. Ah! Tu peux pas m'avoir là. C'est bon? Y a pas tes potes? Parce que dans le 1, y avait pas qu'un seul animal légendaire. En général, ils étaient en troupeau. Vous avez tué un animal légendaire? Blablabla. Oh, je suis désolé. Putain, il s'est pris 2 balles de fusil à pompe. La tenue va pas être... Merde. Attends. Et je dois faire quoi, là? On fait quoi quand on a tué un animal légendaire? Attends. Je comprends pas. Je peux pas le... Je sais pas. J'ai appelé mon cheval. Ou alors ça a bugué, je ne sais pas. Et je peux pas le dépasser, enfin je sais pas. Grizzly légendaire. Oui je sais, mais... Là attends, Grizzly légendaire. Je peux pas dépasser ou je sais pas. Oui. Let's go, girl. Vous devez améliorer les liens d'affection que vous entraînez avec Chauveau pour lui apprendre des actions supplémentaires comme se cabrer. Oui non mais ça je m'en fous. Je sais pas, je... non entiende les... Ah, non, pas du tout. Terreur des plaines. Je vais recommencer, je sais pas. Je vais peut-être me suicider et recommencer, je sais pas du tout. Parce qu'il y avait marqué... Attendez, on va voir ça ensemble parce que... Le clip vidéo, on met pause, on sait jamais. On va regarder le clip vidéo parce que j'ai pas compris ce que me disait... L'astuce. Et j'ai pas envie de mettre fin à la vidéo maintenant pour commencer plus tard, etc. Enfin, ni de me suicider, parce que ça se trouve, je vais me suicider, il y aura plus la carcasse. Bla 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 bla. Non, ça c'est quand j'ai laissé aussi. Voilà. Je suis monté sur le rocher. Vous avez tué une allumée, hein? Apporter sa fourrure chez le trappeur pour qu'il s'en serve afin de fabriquer une tenue unique. Il n'y avait pas d'autres... Chez le trappeur pour qu'il puisse blablabla blablabla. Ok, il n'y avait pas d'autres... Ok. Étrange, étrange, étrange. Je peux pas porter sa fourrure. On va suicider. Je sais pas comment on fait pour récupérer de la vie. On va suicider parce que je crois que c'est un bug. Ça, ouais. Je pensais que c'était plus haut que ça. Y a pas un truc plus haut là? Putain, mais celui-ci. Voilà. La mort la plus pitoyable du monde. Par contre, alors, donc, ça veut dire que quand on glisse, on fait pas exprès de glisser, hein. Ou alors c'est peut-être parce que j'ai tiré au fusil à pompe et du coup... Ah ouais, c'est peut-être ça. Ça veut peut-être dire que j'ai trop cassé sa fourrure et que du coup elle est inutilisable. Enfin, ben non, ça serait con. Ah!
commence de là. J'aurais peut-être dû regarder où j'étais sur la carte. Oh putain, on casse les couilles. Et du coup, non, non, parce que il y a la sacoche. Sacoche, il y a une carte des animaux légendaires. Ah. Antilope, bison, cerf, loup, original. Original. Je veux bien le 8 en fait. Ah, super intéressant. On est là, non? Non, on est là-haut. Je sais pas du tout. Au nord du petit lac. Et là, à droite, à gauche, il y a une... Est-ce qu'à gauche, là, il y a une forêt une... Ouais, c'est ça, ok, d'accord. Du coup, au-dessus, donc, il est par là. Putain, oh, il faut refaire la traque, du coup. Putain, ça c'est chiant par contre. Mais non, mais j'avais trouvé l'ours là, putain. Oh, c'est relou. Non, franchement, là par contre, c'est relou. Ah, c'est peut-être ici, je crois. Ah, je crois que c'est ici, ouais. Non, peut-être pas. Un petit wapiti. Ben, les wapiti aussi, il faut que je les chasse. Je ne comprends pas tout. Ah, c'est là qu'on était. Ok, non, c'est là. Là, c'est sûr, par contre. Donc, tu m'attends là, hein, parce que je vais te faire buter, sinon. Ne me suis pas. Ne me suis pas. Non, reste là. Attends, je vais monter dessus, comme ça. Voilà. Comme ça, il est réinitialisé et il va plus bouger. On va vite courir sur le rocher. Là où je suis allé, hein, parce que... Je pense que c'était la meilleure chose à faire. Ah non, il est toujours là. Ok. Ours inexploitable, putain. Du coup, j'ai niqué. Je comprends pas. Enfin, genre. J'étais sûr, quand je l'ai vu se connecter, j'étais sûr qu'il allait faire ça. On commence à résonner. Par contre, du coup, là, je suis dans la merde, c'est ça? Il faut que je recharge. Ah, c'est chiant ça, par contre. Genre. Je vais mettre fin à la vidéo là, et voilà, je vais voir hors caméra si, si je peux exploiter, genre, enfin bref, vous avez compris. Sur ce, à la prochaine!